Le lac d'Annecy est-il surfréquenté? C'est la question qui se pose chaque été quand les bateaux, pédalos, wakesurf et autres paddles font leur retour. Pour évaluer la fréquentation nautique, un observatoire a été créé en 2018 et des opérations de comptage aérien sont menées cet été comme l'an passé. Marion Feutry, Maxime Kemener. Embarquement immédiat, direction le lac d'Annecy. Armé de son appareil photo, Frédéric Collin n'est pas là pour profiter du paysage. Sa mission? Photographier l'intégralité du lac. En 20 minutes, il va prendre une centaine de clichés, suffisamment précis pour saisir les moindres détails de la fréquentation nautique. La semaine dernière, avec les fortes chaleurs, tout le monde était sur l'eau, tout le monde était dans l'eau. Donc là, c'était plus compliqué comme mission parce qu'il y avait une concentration. Donc là, l'objectif, c'est de ne pas oublier, de voir une vraie couverture de cliché en cliché. On peut voir jusqu'au paddle, jusqu'aux nageurs, jusqu'aux plus grosses embarcations. On a vraiment tout un éventail, on va dire, de catégories de navigation. Donc la photo doit permettre de bien visualiser ça. Des survols comme celui-ci, Frédéric Collin en effectue 8 dans l'année. Son travail va permettre de savoir plus précisément combien d'embarcations fréquentent le lac d'Annecy et s'il y a lieu de réglementer la navigation, notamment pour les bateaux à moteur de plus de 100 chevaux. Vous avez deux situations qui s'opposent. Effectivement, ceux qui font souvent du bateau, qui font du wakesurf, qui font du tourisme. Et puis vous avez les défenseurs de l'environnement qui disent qu'il y a beaucoup trop de bateaux, beaucoup trop de bateaux, sans jamais avoir des chiffres précis par rapport à ce nombre de bateaux. Donc à partir de ce comptage, on sera même de dire effectivement le lac ne peut pas supporter tant de bateaux à moteur ou il y a trop de bateaux à moteur de grosse puissance sur le lac d'Annecy. L'an dernier, au plus fort de l'été, 788 embarcations ont été comptabilisées, dont une moitié de bateaux à moteur.